Salut à tous, c'est Alizé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Diablo 3. Nous approchons de la fin de la saison. J'ai réussi à rentrer dans le classement la semaine dernière. Je me suis fait éjecter courant de cette semaine. Vous pouvez regarder au niveau du classement. Donc j'avais une 89 à 12,57. Et maintenant, il faut une 89 à 10 au minimum. Donc je suis sorti du classement et on va essayer. De faire une 90 tout simplement. Il y arrivera, il n'y arrivera pas, je ne sais pas. Déjà, je vais montrer un petit peu les modifications qu'il y a eu sur mon barbare. Et ensuite, on fera la tentative de faille 90 pour essayer de re-rentrer dans le classement. Sachant que si ça se passe bien, c'est mon avant-dernière vidéo pour la saison en cours. Et si ça se passe mal, bah clairement j'aurai pas le temps de remonter un personnage, l'équipement pour bah, tout simplement challenger à nouveau le classement. Donc qu'est-ce qui a changé? Alors je crois que les gants ils n'étaient pas présents. Donc il me semble que les gants je les ai eu donc en ancien et j'ai foutu un Kaldesan dessus. Il me reste encore des gemmes pour faire un autre Kaldesan, donc encore. Booster de 350 de force. J'essaye de récupérer tant bien que mal un nouveau torse pour avoir des meilleures stats et peut-être me sortir un peu mieux. Bon après le reste on oublie. Donc voilà un peu les changements qui ont eu lieu, qui ont eu lieu pardon, depuis la semaine dernière. Donc je vérifie avant toute chose que j'ai bien les bons équipements. Ouais, pour la GR, c'est bon. Donc 12,50 avec mon personnage avec l'ancien équipement. Il y a peut-être des chances que ça aille mieux en termes de dégâts. Non, c'est pas ça. Ah merde, ils sont où? Il me semblait avoir regardé les gants. Ah, mais j'avais ça aussi. Ah, j'avais oublié. Je les avais oubliés ceux-là. Où est-ce que je les ai foutus mes anciens gants? Ah si, c'est ça. Oui, bah oui, ils étaient pas anciens. Donc voilà, donc je gagne 5,6% de robustesse, 3,2% de dégâts, et un peu de récupération, HP, tout ça, machin, résistance, blablabla. Donc j'ai un peu plus de DPS. Normalement, je devrais faire une 89 en un meilleur temps. Et je pense pouvoir réaliser une 90 si la faille est pas trop moisie. Donc on va y aller, faille 90, c'est parti mon kiki. En avant. Direct. Alors déjà ça pique. Déjà les chaînes c'est chaud. Foudre en plus c'est bien. C'est vachement bien. Puis j'oublie mon cri. On a pour 3 plombes. Ah, puis ils ont payé la protection en plus. C'est génial. Ok. On va tracer la route. Waouh, je prends si cher que ça. Ah, c'est l'autre à côté qui me fait des mal. Oh, tu vas te calmer tout de suite, toi. Toi, la chute. C'est ça qui faisait super mal. Mon barbare commence à prendre des dégâts. Ça va être chaud à terminer, ça, je le sens. Toi. Pourtant, j'ai boosté mon barbare, quoi. C'est pas un up de ouf, mais ça reste quand même
un up du personnage, mais de rien. Wow, il y a la populace. Un autre élite ici, on fonce dessus direct. Le cri. Hop, on sort du poison un peu quand même, histoire de se régénérer. Et on y retourne. Putain, je prends super cher à régénération, à l'eau quoi. Qu'est-ce qu'on a par là? Protection. Et par là, on a quoi? Un cul-de-sac ou... Oh, il y a du monde, c'est cool. Un élite par ici. Allez, je fonce dedans. Direct. J'en profite. J'ai le bouclier. Allez, va crever toi là-bas. Allez, tombe. Voilà. On va rentrer là-dedans, il y a du monde, il y a du monde quand même. Voilà, on avance, un autre élite par ici. Toi, viens là. On récupère un peu d'HP et on tape là-dedans. Saleté de bouclier. Chacun son tour. Voilà, et je te retape dessus. Tu remets ton shield. Voilà, tu l'as pu direct. Je saute dessus. Hop, allez, on récupère et on avance. Oh, ça. On a quoi là? Vitesse. Oh, c'est parfait, vitesse. Le coefficient multiplicateur de dégâts de vitesse est monstrueux. Jamais qu'il y a un petit quelque chose dans le coin. Là, on peut s'amuser un peu à faire quelques dégâts. Grappiller un petit peu et on se casse. Voilà, hop. Clique au bon endroit, ce sera mieux. Ah, un élite cool. Ouais, viens là. Ouais, en fait, ça pique un peu là. Puis en plus, tu prends un bouclier aussi, c'est chiant. Ouais, doucement. On va pas y aller trop non plus. Tanker la terre. Ah, il est chiant avec sa toupie lui. Là, tu vas mourir si tu mets pas ton bouclier. Voilà, c'est bon. Allez, hop. On avance. Ça se tue rapidement. Voilà.
Y a rien par là-bas. Si, hop, parfait. Un élite. Par contre, ça c'est pas bon, Arcane, c'est chiant. Arcane foudre, mais n'importe quoi. Comme je suis pas resté dans la zone depuis un moment, il n'y a plus beaucoup d'arcane. Du coup, c'est gérable. Allez, on avance. Un autre hit ici, parfait. Ça va, c'est bien peuplé. J'ai l'impression de faire zéro dégâts quoi. Wow, ça pique. Ah oui, c'est vrai que lui il se fait mal avec ce truc de glace là. Eux aussi ils font super mal. Faut pas que je m'éloigne. Voilà, allez, hop, ça dégage. Ici c'est quoi? Hop, changement d'étage. Merde, il y a un truc ici, je l'ai pas vu. Je suis passé à côté normal. Bon, je le prends. Puis on verra bien. Merde, cul de sac. C'est qui? Oh, ça va être un peu short. Faut juste que j'esquive, c'est. Voilà. Son rayon à la con là. Enfin, c'est par contre quand il y en a plusieurs, c'est là où ça va être un petit peu chiant. Mettre derrière, il va en faire apparaître d'autres. Voilà. Hop, de l'autre côté. Allez, salut. 838. Ça, c'est fait. J'étais à 976 l'autre fois. Maintenant, 838. J'ai pas regardé le temps que j'ai mis. 1102. Il y a peut-être moyen de faire une 91. Alors, pas aujourd'hui, clairement pas. 60%, ça c'est pas des masses. Faut augmenter, on va essayer quand même. Raté. Raté. Ouais, et ça. Raté, ok. C'est sûr, c'est 60% de réussite parce que là, clairement, c'était pas ça. 1 sur 4, ça fait pas 60%.
Ça fait plutôt 25%. Et voilà, un petit level up. Donc, il y a peut-être moyen, on va essayer de voir pour la semaine prochaine pour faire une 91. Qu'est-ce que. Voilà, je suis perturbé par le placement. Et clairement, ouais, elle était plus facile celle-là que les autres. Enfin, j'ai l'impression qu'elle était plus facile, il y a plus de population. Aucun objet intéressant. Le don, on va le foutre là. Et sinon, rien d'intéressant en termes d'objets. Donc, pourquoi. Je sais même plus ce que je fais. Je pense pas pouvoir améliorer de beaucoup le temps de ma faille au vu de la qualité de la bah de justement de la faille. Je pense pas pouvoir l'améliorer. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo et je vais essayer de continuer à farmer pour atteindre une 90, peut-être voire même une 80, une 91, voire même une 92 avec un peu de chance pour la semaine prochaine. Voilà, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour voir la suite donc des vidéos de Diablo 3, que ce soit les failles probatoires ou la prochaine vidéo donc pour la saison donc pour mon barbare. Et puis bah, pour les futures saisons, le perso que je vais prendre, j'ai déjà une petite idée. Mais ça sera l'occasion de faire le point sur une autre vidéo un peu plus tard. Poursuivre justement l'aventure de ce futur personnage sur la prochaine saison. Voilà, moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.